Llevamos 8 meses en esta guerra contra las pandillas. 8 meses. Y gracias a Dios, la estamos ganando. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. Le président du Salvador, Nayib Bukele, fait résonner la victoire face à la moitié de son armée. Devant la presse convoquée pour l'événement, le plus jeune leader d'Amérique centrale exulte. Il assure qu'il est en train de gagner la guerre contre les Maras, ces gangs qui ravagent le pays depuis plus de 30 ans. Depuis son accession au pouvoir, le Salvador a perdu sa réputation d'État le plus dangereux du continent. L'autoproclamé dictateur le plus cool du monde, élu démocratiquement en 2019, a mis en place un état d'urgence, massivement soutenu par le peuple. Un régime d'exception accordant des pouvoirs renforcés à la police et à la justice pour combattre les Maras. En moins de 6 mois, plus de 58 000 personnes sont incarcérées, soit 2% de la population. Le prix à payer pour garantir la paix, selon Nayib Bukele. Le gouvernement célèbre les premières journées sans homicide. Les chiffres des agressions sont en chute libre. Les espaces publics sont redevenus accessibles. Et la population a retrouvé le courage de s'exprimer. J'avais 16 ans quand on m'a tiré 6 fois dessus. La première balle est rentrée ici. Et les autres, ailleurs dans le corps. C'est à cause de toute la violence qu'il y a dans mon quartier et de mes blessures que je suis maintenant en chaise roulante. Les docteurs m'ont annoncé que je ne pourrais plus jamais marcher. Criblé de balles en rentrant chez lui, les stigmates sur le corps de Noé témoignent des années de violence des Maras dans les villes du Salvador. Enfant du barrio de Tilcar, il est devenu l'un des chefs communautaires de ce quartier martyr. Il y a encore quelques mois, ce territoire était contrôlé par les deux gangs les plus puissants d'Amérique, deux frères ennemis, le MS-13 et le Barrio 18. Chaque maison, chaque rue, chaque trottoir était le théâtre d'affrontements sanglants. Une guerre sans merci dont les habitants étaient les premières victimes. Le gang du Barrio 18 venait ici pour tuer et gagner du territoire. Ils nous disaient qu'ils étaient là pour nous protéger. Mais en réalité, ils venaient pour nous racketter, nous voler et mettre les gens dehors. La vie ici était dure. Beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi ont été tués. D'autres ont eu la chance d'immigrer aux États-Unis, au Costa Rica ou dans d'autres pays. Certains habitants de notre communauté se sont même fait tirer dessus, ont été poignardés ou frappés. Moi, je n'ai pas pu immigrer. Je n'ai pas eu l'opportunité de partir d'ici. Noé a choisi de mener le combat le plus difficile, celui des mots et de la diplomatie. Pendant près de 14 ans, il a tenté sans succès une médiation entre la communauté et les chefs des deux gangs rivaux. Il aura fallu attendre l'état d'urgence de Nayib Bukele, son torrent d'uniformes et de bottes, pour que le quartier retrouve la paix. Si vous regardez bien, vous pouvez voir des impacts de balles sur tous les murs du quartier. C'était impossible pour les enfants de jouer tranquillement. La population était terrorisée. Aujourd'hui, on peut profiter de notre quartier. Regardez les parcs, les rues, tout est devenu plus calme.
Les gens peuvent maintenant sortir de chez eux. On peut partager plus de moments entre nous. On peut même recevoir de la famille d'autres quartiers. Les graffitis à la gloire des gangs ont déjà été recouverts par les coups de pinceau des enfants. Sébastien est rentré dans les maras à l'âge de 12 ans. 10 ans plus tard, et avec l'aide de Noé, il a retrouvé un métier et a fondé une famille. Quand j'ai décidé de rejoindre le gang du quartier, c'était pour me venger. Parce que les autres gangs venaient ici pour nous faire chier. Ils tiraient sur tout le monde, même ceux qui n'avaient rien fait. Et il n'y a pas une personne ici qui n'a pas une balle dans le corps. Aujourd'hui, tout est tranquille. C'est grâce au nouveau gouvernement que tout a changé. Maintenant, grâce à Dieu, il n'y a plus rien ici. Plus rien. L'état d'urgence a changé le quotidien du peuple. Comme Noé, partout dans le pays, on savoure une liberté retrouvée. Au Salvador, chacun se souvient du jour où le destin du pays a basculé. Dans la seule journée du 26 mars, une vague d'assassinats attribuée aux Maras fait 62 morts. Les 24 heures les plus meurtrières que le pays ait connues depuis plusieurs décennies. Dès le lendemain, le président décide de faire voter l'état d'urgence. Pour mettre en œuvre cette politique, il nomme un nouveau ministre de la Justice. Gustavo Villatoro sera le bras armé de Nayib Bukele. 95% de la population soutient l'état d'urgence. Les opposants à cette politique ne comprennent pas que nous avons vécu sous un régime terroriste pendant plus de 30 ans. Une culture de la mort où si tu n'obéis pas aux gangs, ils vous tirent dessus. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'état d'urgence nous a donné un coup d'avance sur ces groupes terroristes. Pourquoi c'est si efficace? Parce que nous avons mis en place une stratégie pour les écraser. Nous avons commencé cette guerre avec une liste précise. 76 000 cibles à interpeller. Ce sont nos objectifs. Elle est basée sur une parfaite connaissance du fonctionnement de ces gangs. Elle nous a permis de stopper l'approvisionnement d'armes et de s'attaquer à leurs ressources financières. Ils sont en train de fuir les villes. Et s'ils reviennent pour une raison ou une autre, nous sommes informés par les citoyens et nous intervenons immédiatement. Certains journalistes, contrôlés par le système, racontent que nous emprisonnons des personnes dans les communautés sur leur simple apparence, parce qu'ils portent des baguilles, mettent leur casquette sur le côté ou simplement parce qu'ils deviennent nerveux quand ils voient la police. C'est un mensonge. Une personne a commencé cette guerre. Et cette guerre contre les pandillas se terminera quand le dernier membre des Maras sera en prison. Pour mener à bien cette mission, le ministre a déployé les forces spéciales dans les barrios du Salvador. Cette unité se rend à Soyapango, deuxième ville du pays, considérée comme l'un des derniers bastions du MS-13. Autrefois tout-puissants, les membres des gangs doivent désormais se cacher pour échapper au contrôle systématique. Chaque maison est fouillée. Les identités vérifiées. Les allées et venues contrôlées. Sous l'état d'urgence, la police peut perquisitionner et arrêter sans mandat. Chaque citoyen est un suspect potentiel. Vous habitez depuis quand ici? À peu près 16 ans.
Vous allez me sortir vos factures d'électricité et d'eau. C'est vos enfants, les deux filles? Oui, ce sont mes filles. C'est bon? Tout va bien? Oui, c'est bon. Merci. Ces patrouilles sont organisées quotidiennement et partout dans le pays. Les forces de police ont remplacé les maras au coin des rues. Mais la pression exercée sur la population est critiquée au sein même des unités d'intervention du gouvernement. Sous le sceau de l'anonymat, un policier témoigne de la réalité du terrain. Nous avons commis des violations des droits humains. On a enfermé des gens qui n'avaient commis aucun délit. Beaucoup pour le seul fait d'être jeunes. Les patrouilles avaient des quotas. On devait arrêter un certain nombre de personnes par jour pour que les chiffres augmentent. On devait dire qu'on arrêtait seulement les membres de gangs. Les ordres sont clairs. Si on n'arrête pas au moins 20 personnes par jour, on ne peut pas rentrer à la base. Alors, on a commencé à arrêter n'importe qui. On a procédé à des arrestations violentes. La réalité, c'est qu'on a toujours maltraité la population. Comme par exemple, enfoncer les portes des maisons de personnes qui n'avaient rien fait. Ou simplement parce qu'on les avait dénoncées. Là, on a vraiment abusé. Au sein de la police, on n'est pas d'accord avec les statistiques du gouvernement. On ne compte pas les assassinats. Ils masquent les vrais chiffres de la criminalité. Mais nous, qui sommes sur le terrain, on sait ce qui se passe vraiment. Mais on n'a pas d'autre choix que de se taire. On attend la réaction des gangs. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de vengeance. Beaucoup de mes collègues sont en train de démissionner parce qu'ils voient bien que quelque chose de grave va bientôt arriver. Quelque chose de très grave. Depuis l'état d'urgence, les maras ont fui les villes pour se regrouper dans les campagnes. Dans ces régions isolées, ils se réorganisent et se réarment pour adapter leur système mafieux à cette nouvelle réalité. Alors, pour retarder la riposte des gangs, les forces de police accélèrent encore le rythme des arrestations. Dans le centre de détention d'Ilopango, le balai incessant des camions vient déverser chaque jour des centaines de prisonniers. La population carcérale aurait au moins doublé en 8 mois, dans un pays déjà réputé pour abriter les prisons les plus peuplées au monde. Les conditions sanitaires y sont déplorables. 83 personnes sont mortes depuis le mois de mars, pendant leur détention. Côté judiciaire, l'état d'urgence a aussi mis sous clé le principe même de défense. Innocents ou coupables, ils sont privés de leur droit de faire appel à un avocat, de contacter leur famille, et ils devront attendre entre 6 à 8 mois avant d'être présentés devant un juge. La justice est rendue à distance. Derrière une webcam, un juge condamne les détenus par dizaines lors de procès expéditifs et sans suspense. Selon les ONG locales, près de 25% des prisonniers arrêtés pendant l'état d'urgence seraient innocents. À l'extérieur des prisons, leurs proches se battent pour les faire libérer. Les manifestations contre l'état d'urgence se multiplient dans le pays. Les familles des détenus réclament la vérité, cherchant parfois seulement à savoir où sont leurs proches, emprisonnés ou disparus, vivants ou morts. Ils ont arrêté mon mari parce qu'il devait arrêter quelqu'un. C'est injuste qu'il y ait des membres des gangs en liberté et qu'ils attrapent juste ceux qui se trouvent sur leur chemin, ceux qui ne peuvent pas s'échapper.
les organisations internationales de défense de droits humains accusent le gouvernement de Bukele d'actes de torture, de morts inexpliquées et dénoncent une politique foulant aux pieds le droit international. Un procès a lieu aujourd'hui. Anatalia, vendeuse de rue dans la région de Sonsonate, élève seule ses 4 enfants. Le 14 juin 2022, l'une de ses filles, Carla, est arrêtée. Âgée de 15 ans et enceinte, elle est interpellée par 4 policiers devant chez elle alors qu'elle attend le bus. L'arrestation est violente. Alertée par des cris, elle découvre sa fille maîtrisée sous le genou d'un policier. Carla est emmenée de force, sans qu'aucune explication ne soit donnée à sa mère. Ma fille n'a rien à faire là-bas. Elle n'a même pas de tatouage. Encore moins celui d'un gang. Elle a été arrêtée alors qu'elle n'a jamais fait d'histoire. Elle n'a jamais été incarcérée avant. Elle n'a rien à voir avec les gangs. Ce que je veux, c'est qu'ils me la rendent. Aujourd'hui et demain, il y a l'audience. J'espère qu'ils vont me la rendre. Anatalia n'a eu aucune nouvelle de sa fille pendant plus de 6 mois. Après de longues recherches, elle a découvert son lieu de détention en même temps que sa fausse couche. Elle soupçonne immédiatement la violence de l'interpellation d'en être la cause. Pour sa mère, Carla est jugée pour appartenance au MS-13, simplement pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ses avocats, eux, sont certains d'avoir gain de cause devant l'absurdité de la situation. Les preuves sont clairement insuffisantes. Le procureur n'a pas réussi à démontrer qu'elle faisait partie d'une pandilla, qu'elle aurait un rôle dans ces structures mafieuses ou qu'elle soit une délinquante. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. Ils n'ont rien prouvé. Nous avons des témoins pour attester que Carla n'appartient à aucune pandilla. Carla est un membre actif de l'Église. Elle participe à la chorale et aide sa mère au travail. Nous espérons un jugement favorable, qu'elle soit déclarée innocente. Confiant, les avocats entrent en audience persuadés d'avoir un dossier assez solide pour faire sortir Carla. L'attente est interminable, avant que la juge ne finisse par rendre son verdict. En moins de 2 heures, Carla et 6 autres filles sont condamnées à 2 ans de prison ferme. Malgré le choc, Anatalia ne perd pas espoir. Je sais que ma fille a perdu son bébé à cause de la peur. Elle est enfermée, elle est mal nourrie, elle endure tellement de choses. C'est traumatisant. Comment ne pas avoir un trauma? Le gouvernement ne peut pas sentir notre souffrance. Et nous, on doit la supporter. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Mais ce n'est pas la fin. On va continuer à se battre. Je ne vais pas laisser ma fille là-bas. Depuis le procès, Anatalia est autorisée une fois par mois à déposer un sac contenant des biens de première nécessité dans le centre de détention où est emprisonnée sa fille. Elle lui apporte serviettes hygiéniques, médicaments ou un peu de nourriture. À l'intérieur, elle manque de tout. Ces quelques effets sont le dernier lien qui lui reste avec sa fille. Cette affaire a été largement diffusée dans les médias du pays, dont l'un d'entre eux s'est fait devoir de dénoncer les injustices. El Faro, journal d'investigation en ligne, est devenu la bête noire du régime. Premier média d'opposition du pays, il est parmi les seuls à oser critiquer le gouvernement. Oscar Martinez est le directeur de la rédaction. Fin 2020, lui et ses équipes publient des révélations sur le système Bukele. Depuis, le gouvernement fait tout pour museler ses journalistes. Un rendez-vous est pris dans un appartement anonyme.
L'histoire du journal a été bouleversée quand on a publié des documents internes du gouvernement. On a réussi à prouver que le gouvernement avait négocié avec les trois principaux gangs du pays, la Mara Salvatrucha, le Barrio 18 Revolucionario et le Barrio 18 Sureños. Avec l'aide d'un procureur, nous avons publié des preuves, des enregistrements de discussions téléphoniques entre des membres du gouvernement et des chefs de gang. Qu'est-ce qu'ils avaient négocié ? Un soutien électoral pour prendre le contrôle de l'Assemblée législative, qui décide de tout dans ce pays, et que Nayib Bukele contrôle. En échange de soutien dans les territoires, les gangs ont bénéficié d'allègements de peine. L'élément clé qui a permis à Bukele de réduire de façon drastique les statistiques des meurtres a été sa négociation avec les gangs. Je pense que Nayib Bukele deviendra dangereux quand sa popularité chutera. Et ça va arriver. Une crise économique de grande ampleur qui va secouer le pays se prépare au Salvador. Les pactes avec les gangs vont se terminer un jour ou l'autre et on en voit déjà les limites quand on aperçoit les cadavres dans la rue. L'état d'urgence a enfermé des dizaines de milliers d'innocents et des milliers de personnes sont mortes, sans qu'aucun juge ne les ait condamnées. Quand le peuple va le découvrir, Bukele va perdre sa popularité. Il va devenir dangereux. Quand on n'entendra plus les applaudissements, on entendra les bottes des militaires. Depuis un an, le Salvador vit dans une autocratie. Un homme détient tous les pouvoirs de l'État. Bukele contrôle l'Assemblée législative, la Cour suprême de justice, les procureurs et l'exécutif. Il contrôle qui t'accuse, qui te capture et qui te condamne. Il contrôle tout. Le dernier lien de Bukele avec la démocratie, c'est qu'il a été élu démocratiquement par la grande majorité des Salvadoriens. Le peuple a voté pour qu'il devienne leur président dans des élections libres. Notre constitution interdit de faire un deuxième mandat. Si Bukele est réélu en 2024, et il va se présenter, Bukele sera un dictateur. Le journal El Faro fait tout pour continuer son travail d'investigation, malgré la pression du gouvernement. Mise sur écoute, accusations publiques de liens avec les gangs ou de blanchiment d'argent, photos d'identité et adresses relayées sur les réseaux sociaux. La moitié de la rédaction a dû fuir le pays, craignant pour leur vie ou leur famille. Oscar Martinez prévoit un avenir sombre pour son pays. Les indices de la mise en place d'un régime dictatorial se multiplient. Le dernier en date se trouve au pied du volcan de Tecoluca. Sous étroite surveillance, des milliers d'ouvriers se relaient nuit et jour. En quelques mois à peine, ils ont réalisé le dernier projet de Nayib Bukele dans sa guerre contre les gangs. Construire la plus grande prison d'Amérique. Un centre de détention pouvant accueillir 40 000 prisonniers. Bukele l'a annoncé, ces détenus ne reverront pas la lumière du jour. La politique du président salvadorien en inspire d'autres. Le 15 décembre, le Honduras a mis en place un état d'urgence sur le même modèle. Au Guatemala, les procureurs et les journalistes qui s'opposent au régime sont arrêtés. Au Nicaragua, la dictature règne déjà. De son côté, Nayib Bukele a annoncé sa candidature aux prochaines élections, au mépris de la Constitution qui interdit un second mandat. Affichant des ambitions sans limite, il semble vouloir s'inscrire dans la longue tradition des dictateurs sud-américains.